Tatiana est à 88% de sa puissance. Depuis toutes ces années, je me suis fait aller dire que je reverrai plus ma mère. Capturer un spectre? Faut juste l'amener dans ce scan pour lui pomper ses codes. Maman, je l'ai vue dans le cortex. Ça semble impossible, mais c'est sûr. Elle est vivante. Papa, je te promets que je vais tout faire pour la retrouver. Tout. Comment tu te sens? Une sensation étrange. Depuis toutes ces années, je m'étais faite à l'idée que je reverrai plus ma mère. Je comprends. Et t'en es où dans tes recherches? Je passe mes journées sur Internet, mais toujours rien. C'est déprimant. Pourquoi t'essaierais pas les réseaux sociaux? Tu pourrais mettre une photo de ta mère en ligne et d'un coup, tu toucherais des milliers de personnes. Tu pourrais avoir une piste. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, il est tard. On en reparle demain. Merci, Jérémy. Mais on a déjà essayé plein de trucs pour empêcher les spectres de nous bouffer du code. Mais ça marche jamais. Ouais, et ça marche tellement pas que j'ai plus du tout de code. Je suis un Lyoko guerrier en solde. Ce qui est cool avec toi, c'est que t'es jamais dans l'exagération. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, toi. On a qu'à inverser les rôles, si tu veux. Inverser les rôles. Il était un génie! Mais qu'est-ce que j'ai dit? On faisait fausse route en cherchant à empêcher les spectres de nous piquer des codes. Ce qu'il faut faire, c'est carrément leur en reprendre. Ouah, trop cool, je vais récupérer du code alors! Ouais, bon, pour ça, il faudra capturer un spectre. Capturer un spectre? Mais t'es un grand malade, toi. Ouais, il faut juste l'amener dans le scan pour lui pomper ses codes. Mais j'ai un plan. Yumi fera l'appât parce que c'est elle qui a le plus de code. Toi, tu tiendras en embuscade et Ulrich et Odd, vous irez sur Lyoko. Bah, pour désactiver les tours, au cas où. Et bien sûr, on laisse Aelita en dehors de tout ça. Bonjour. C'est la première fois que je viens sur un réseau social. Mais j'ai une bonne raison. Je recherche ma mère. Maman, je sais que t'es vivante. Si tu vois ce message, s'il te plaît, fais-moi signe. Je vais me planquer ici, et si le spectre approche d'un peu trop près, j'interviens, ok? Ok. Jérémy, on est en place. Ok, Yumi, y a plus qu'à attendre. C'est bon, les gars, vous pouvez y aller. T'es sûr que ça va marcher? Attends, t'es dans un endroit isolé, t'es blindé de code? Tous les paramètres sont réunis pour que Xana intervienne, non?
Lance la virtualisation. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Virtualisation. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jérémy? On attend qu'une tour s'active. Super. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'espère que Xana va vite attaquer. Ouais, parce que sinon ça risque d'être vraiment long. J'en peux plus. Ça fait combien de temps qu'on attend? 1h17. 1h17 minutes? Oh là là! Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici quand il n'y a pas d'attaque de Xana? Bon, la prochaine fois, j'emmène un jeu de cartes avec moi. Enfin, virtuel. Eh, hey, mais j'y pense. Tu pourrais pas nous matérialiser une buvette ou un baby-foot? Enfin, un truc sympa pour faire passer le temps, quoi. Odd. Bon, ok, ok. Moi, je fais une sieste. Vous me réveillez quand ça bouge un peu plus? Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Bingo! Une tour vient de s'activer sur le territoire du désert. Oh non, Jérémy! Ça, c'est pas cool. Juste au moment où j'étais en train de m'endormir. Le repos du guerrier, ça te dit quelque chose? Odd, je te rappelle que vous êtes en mission. Je vous transfère. J'ai connu des réveils plus en douceur. Bon les gars, la tour est située à 78 degrés est. D'accord, tu nous envoies nos bécanes? Ah non, surtout pas. Faut pas se faire repérer par Xana. Tu veux dire qu'on va devoir y aller à pied? Tu peux y aller en rampant si tu veux. Décidément, j'adore cette mission. Yumi, ça y est. Y a une tour active sur le co. Ok Jérémy, on se tient prêt au cas où un spec débarque. Alors, mes chers Massaboum, viens faire un petit jogging avec moi? Ah non, monsieur Morel, je me sens pas vraiment d'humeur à courir, là. Oh, c'est jeune, plus rien dans les jambes! C'est bon, Jérémy. Ça a marché. Le poisson a mordu à l'hameçon. J'y crois pas. Dire qu'on a deux bécanes de folie et que là, on se retrouve à user nos chaussures. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, on est bien d'accord, Odd. Tu dois protéger Ulrich. C'est le seul de vous deux qui peut désactiver la tour. Je sais. Dans cette histoire, je suis juste l'acolyte du héros. Point final. Ouais, mais pas de n'importe quel héros, Odd. Je commence vraiment à en avoir marre de pas avoir de code. Thank you.
On y est. Ok. Tenez-vous prêts à intervenir si jamais ça foire. Bon, si j'ai bien tout compris, dans cette mission, d'abord on attend, ensuite on attend, et à la fin, on attend encore. C'est super varié. Eh, tu veux bien te taire, l'acolyte ? Ah, enfin un peu d'action. Mais il doit y avoir une erreur sur la livraison, parce que j'avais pas commandé de crabe. Oui, Jérémy, je suis dans l'ascenseur. Ok, fonce au scan. Projection holographique maison. T'es bien tombé dans le panneau. Génial, Yumi. Je lance la virtualisation. Yes, piégé. On passe à la dernière phase du plan. Alors ? Super. Le scan a repéré les codes. Jérémy, vous en êtes où ? C'est bon, on l'a capturé. T'es trop fort. Mais maintenant, je peux te le dire. Je pensais pas que ton plan marcherait. Merci pour ta confiance, Ad. Ça fait toujours plaisir. De rien, Einstein. De rien. Si c'est comme ça, on va jouer à ça. Et un de moins. Hé, hey, moi aussi, je veux ma ration de crabe. Yes! Allez, plus que deux. 2,5%. On lui a bouffé 2,5%. C'est pas vrai, il est en train de bousiller le scan. Ulrich, on a un méga problème avec le spectre. Faut vite que t'ailles désactiver la tour. Ok, Jérémy. J'y vais. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ça urge! On fait ce qu'on peut, Jérémy! Le scanner va lâcher, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le spectre? Je crois qu'il a explosé. Jérémy, il y a un truc bizarre ici. Une sorte de nuage de particules qui est en train de se former. Un nuage de particules? Yumi, j'ai aucune explication. Des résidus du spectre sont passés sur Lyoko. Quoi? Jérémy, ça vient sur moi! Ah! Yumi! Yumi, tu m'entends? Elle a quasiment perdu tous ses points de vie d'un coup. Odd, Ulrich, le spectre est sur Lyoko et il fonce droit sur vous. Il faut désactiver la tour, vite. Le spectre est sur Lyoko? Mais c'est quoi ce délire? Il a explosé dans le scan. Et des particules ont été transférées dans le territoire du désert. Mange-toi ça! Ulrich! Attention, le spectre, derrière toi! Ulrich! Ulrich, réveille-toi! Ulrich! Ah, oh, c'est pas vrai! Jérémy! Ulrich ne bouge plus! Et j'ai l'impression qu'il est dans le coma! C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Jérémy! Qu'est-ce qui se passe?
Et pourquoi ce truc m'a épargné? Je sais rien. Attends, Jérémy. Comme les specs sont programmés pour récupérer des codes et que Odd n'en a plus, alors l'ersatz ne l'a peut-être pas repéré. Ouais. Ouais, ça tient la route. Jérémy, qu'est-ce que je fais? Je peux pas désactiver la tour tout seul. Je sers à rien ici. Ok, je vous dévirtualise tous les trois. On réglera le problème du spec plus tard. Oh non, c'est pas vrai. Le scanner répond plus. Je peux pas les dévirtualiser. William, faut que t'ailles au scan pour voir l'étendue des dégâts. Jérémy, il y a un truc qui va pas. Je suis toujours là. Odd, on a un énorme problème. Les scans ne marchent plus. Tu veux dire qu'on est coincé ici? Pour le moment, oui, mais on va régler le problème. On va régler le problème. Hein? Yumi, tu m'entends? Yumi, qu'est-ce qui se passe? Odd, Yumi bouge sur mes écrans. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Je t'envoie l'overboard. Ok, Jérémy, j'y vais. C'est quoi les coordonnées? 120 degrés ouest pour l'instant, mais ça bouge. Odd, t'y es presque. À mon avis, tu devrais bientôt l'avoir. Jérémy, Yumi ne bouge pas. C'est le spec de tout à l'heure qui l'entraîne avec elle. Oh non! Elle l'amène droit vers la mer numérique. Je vais me le faire, ce truc. Non, non, surtout pas. On peut pas prendre le risque. Notre force, c'est que le spectre ne t'a pas repéré. Mais faut qu'on fasse quelque chose, Jérémy. Sinon, Yumi va être définitivement dévirtualisée. Réfléchis, réfléchis. Odd, je sais ce qu'on va faire. Je vais activer une tour de passage. Une tour de passage? Même sans code, tu peux entrer dans une tour de passage. Et une fois à l'intérieur, je te réinjecterai tout le code qu'on a récupéré. Génial, Einstein! Il faut espérer que ça va marcher. La tour est à 49 degrés nord. Vas-y, Odd, fonce! William, ça donne quoi de ton côté? C'est des câbles qui sont endommagés. Écoute, j'ai vu mon père faire ça des milliers de fois chez moi. Je vais tenter de bidouiller un branchement. Ok, tiens-moi au courant. J'ai la tour en vue, Jérémy. Génial, fonce! Pose tes mains sur l'interface. Je te transfère du code. Ok. C'est bon, Anne. Ça marche. Jérémy, je sens comme une onde de chaleur qui m'envahit de partout. C'est incroyable. Ça y est, t'es rechargé. Super, je fonce désactiver la première tour. Non. Odd, le spectre fonce sur toi. Quoi? Avec tes codes, il t'a repéré. Je te crois pas. Jérémy, je vais pas pouvoir tenir longtemps. J'arrive pas à le semer. Accroche-toi, c'est notre dernier espoir. William, t'en es où? Je fais ce que je peux, Jérémy. C'est pas évident. Génial, t'as vraiment assuré. Oh non, le spectre est rentré dans la tour. Allez! Ah!
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Jérémy, on est d'accord? C'est la première et dernière fois qu'on essaie de capturer un spectre. Moi, je savais pas que ça allait être aussi compliqué. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je suis plus en sans code. Bon, ok, 4%, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça pris. Ouais, la bonne nouvelle, c'est surtout que Xena a baissé en puissance. Ça veut laisser du temps à Elita pour retrouver sa mère. Pour fêter ça, je propose de faire une sieste. Mais quoi, c'est important, les siestes, quand même. Bon, j'ai deux nouvelles. On n'est plus en sans code et Xena a baissé en puissance. Anne, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde, j'ai eu des centaines de réponses. J'ai pas de piste, mais c'est incroyable. Une chaîne de solidarité est en train de se mettre en place pour retrouver ma mère. C'est génial. Tu vas avoir plein d'amis virtuels qui vont pouvoir t'aider. Mais j'ai surtout des amis bien réels qui sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Tout ça me donne une force incroyable. On va la retrouver. C'est sûr, on va la retrouver.